Et elle se déroule ainsi. Alors, je ne vais pas vous le faire en direct, mais en gros, vous appuyez sur lecture et vous allez inspirer au maximum et suivre la bulle et expirer tout doucement jusqu'à ce que la bulle soit en bas. Donc ça pendant 3 minutes. Mais ça peut paraître un peu compliqué au début, surtout quand on n'a pas l'habitude d'effectuer des respirations longues. Donc on va aller dans réglages. Et ici, on peut définir la durée de la séance. Donc par exemple, commencer par 3 minutes, ça sert à rien d'aller plus loin et de se faire tourner la tête à respirer trop vite ou trop fort. Donc vaut mieux commencer par une séance de 3 minutes le matin, par exemple, et une séance de 3 minutes le soir. Et régler également le nombre de respirations par minute. Donc bien évidemment, plus vous allez respirer vite, plus l'oxygène va monter vite au cerveau et plus vous risquez d'être étourdi. Donc le mieux, c'est de régler 3 minutes pour commencer et également 4 respirations par minute. Comme ça, en 3 minutes, ça vous fait 12 respirations, c'est déjà pas mal. Du coup, vous avez également 3 réglages disponibles, donc relaxant, équilibre, donc 50%, 50%, donc ça sera le même temps pour l'inspiration et pour l'expiration, et dynamisant, donc 60-40%. Si vous avez besoin d'aide, vous appuyez sur le point d'interrogation et du coup, ici, ils vont vous expliquer les différents réglages et comment vous servir de l'application. C'est pas très long, ça va bien vous expliquer le principe de la relaxation par la respiration. Et du coup, ça pourra vous renseigner. Voilà, donc une fois que les réglages sont faits, voilà, vous faites valider les réglages et là, vous pouvez continuer, recommencer votre séance. Donc c'est une application gratuite. Si vous avez besoin de vous détendre un peu, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.